Et bonjour YouTube, comment ça va? Nouvelle vidéo de Cannes aujourd'hui, il est 8h45 chez vous, c'est l'heure de la sortie des portails, des millions de téléchargements, la hype est à son maximum, les deux unités sont sorties, les animations sont oufissimes, surtout pour le duo Blue, mais là aujourd'hui, là dans cette vidéo, on va invoquer sur le portail de Gataille parce que sur ce compte, je n'ai pas de doublon de Piccolo Tech. Le détecteur, il est, on va dire, mitigé. Hein. Il y a moins de LR qu'avant, en vrai. Et puis les unités de Canfest qu'il y a pour arriver jusqu'à la 10ème carte sont pas forcément si ouf que ça. Après, ils vont avoir un ZTR. Mais évidemment, Gataille, on le veut en priorité. Lui, j'ai pas vu le kit, mais écoute, on prend quand même hein, des Amasu. Est-ce qu'il a boss? C'est ça qui m'intéresse, en vrai. Est-ce qu'il a boss? Je crois pas que celui-là est boss de base. Hein. Il lui donne pas boss tout de suite, en fait, à lui. On s'en fout, on verra après. Piccolo! Sur la globale, je l'ai à 100%, donc s'il te plaît, Piccolo, ne viens pas, hein, reste loin de chez toi. Après, bon, après le TUR, enfin le SSR, il pourra marcher au pire. Hein. Mais j'aimerais pas quand même, voilà, lui, il me le faut, absolument, parce que j'ai zéro doublon et je le joue en endgame. Et là, je vois, hein, quand je joue l'ami leader qui a des doublons, quand il est à 100%, c'est une brute épaisse, donc il me le faut absolument aussi ce Piccolo. Je prends de ouf, les LR des 4 ans sont 100%, des 5 ans, des 7 ans, pardon, sont 100% sur ma box, sur la globale. Eux, zéro doublon, mais si on bat les couilles. 100%, 100%, 100%, 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 unités, les amis. On va y aller. Mais avant de commencer, c'est la première fois que ça arrive sur la chaîne. Nous avons un sponsor pour cette vidéo. Tu t'es levé tôt, t'as une longue journée, t'es complètement claqué après les cours, comme moi t'es claqué après le boulot et tu n'as pas envie que ta journée se termine. Et moi notamment, je crée du contenu sur YouTube, je fais des streams incroyables sur Twitch et tu sais comment je fais? Mad Monk. Mad Monk, qu'est-ce que c'est? Ce sont des compléments alimentaires 100% naturels. Les gars, j'ai regardé, il y a de la caféine dedans, logique, hein, c'est l'équivalent à peu près de 2 tasses de café. Et moi, le café, je ne supporte pas, sinon je dois le blinder de sucre. 5 cuillères de sucre, ça a clairement autant de pas en prendre. Hein. Mais du coup, ça, pour moi, ça passe avant un gros stream, avant un gros TB par exemple. Et je sais que tu sais que le TB, c'est éprouvant. Eh ben, tu en prends une de ces pilules et tu verras que tu arriveras à rester éveillé. Moi, j'ai fait un stream de 4 heures. Pas de soucis, t'es OP, t'es réveillé, t'as tous tes sens qui sont à 100%, frérot. Après, t'en prends un par jour, hein, frérot. Ça va pas t'aider à maigrir non plus, hein. C'est vraiment pour améliorer. C'est un psychostimulant. Anti-stress, tu verras que t'en prends une et tu seras comme si t'étais réveillé le matin. Ça a un effet de quelques heures. Le prends clairement pas avant d'aller te coucher, même si ça a bon goût. Et tu verras que c'est archi-efficace, hein. Je rejoins l'équipe, hein. Il y a déjà de gros streamers comme Kameto, comme Lucklear, qui font partie de l'équipe de Mad Monk. Donc, on remercie Mad Monk de sponsoriser cette vidéo. Tous les liens sont en commentaire juste en dessous si tu veux commander ta première boîte. Ok, c'est bon, on va invoquer, j'espère que vous êtes prêts, moi je suis prêt de ouf, et je sais qu'ils vont tomber, je t'ai mis des miniatures avec des failles de rosée et tout, c'est sûr qu'il va tomber, ok? Et tu me donnes des failles, tu me donnes des failles, tu me donnes des zénos, il y a des nouvelles animations les gars, alors je les connais pas par cœur quoi, il les a postées ce matin. Mais je pense que quand je verrai des trucs, je saurai les reconnaître, d'accord? Allez. Allez, alors je sais pas si c'est quelque chose de garanti, je crois pas, on va savoir tout de suite. Allez le chat! On est venu parce que vous aviez demandé à ce qu'on vienne sur YouTube pour invoquer. Donc je respecte mon engagement. Merci en tout cas pour la force les gars, on est 800 en live, ça fait plaisir. Ok, la première multi est nulle à chier, y'a rien de garanti ici, y'a un SSR de garantie en fait je crois. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un SSR de garantie. Ouais, un SSR garanti par multi-invocation. Ok, bah on continue. On continue. Allez, let's go. Des failles de rosée sur la globale, les gars. Quel va être mon main compte maintenant? La question, c'est ça. La question, c'est quel va être mon main compte sur Dokkan Battle? Est-ce que je vais basculer côté Jap ou est-ce que je vais basculer côté global? On le saura à la fin de cette célébration, les amis. Parce que oui, hein, si tu n'as pas vu la vidéo de ce matin... Synchronisation, et je l'ai mis sur Twitter, c'est une dinguerie quand même. Hein. Ils nous ont synchro les deux versions. Un Glow et Jap, annoncé. En plein pendant une célébration. Dont la thématique est la temporalité. C'est fourbe, avoue que c'est fourbe. C'est fourbe, ouais, non, c'est fourbe, faut le dire, c'est archi fourbe. Bon, hé, les animations là! Alors oui, là je claque les tickets. Si évidemment Gataille tombe, je m'arrête, hein, bien sûr. Enfin, j'invoque les tickets qui restent.
Avoc, à la NIF on a chaté, donc j'ai un peu peur quand même pour les millions de téléchargements. Mais s'il tombe pas, on fait le cycle soldé. On fait un cycle sur les portails DS. Et ensuite, on fera une revanche plus tard. Mais ne parlons pas de revanche, YouTube. Ne parlons pas de revanche. Restons concentrés, ok? Allez! Après, souvent, Dokkan, il met zéro animation. Et puis tout d'un coup, il me balance un Zeno, tu vois. Tout d'un coup, il me balance un Zeno. Donc, j'ai envie d'y croire, tu vois. Ça m'énerve. Quand je vois ce Goku-là, j'ai l'impression que j'ai un nouveau truc. Mais non, c'est rien, en fait. C'est rien. Non, mais j'ai payé combien pour ces tickets, Dokkan? C'est quoi, ça? On est dans le thème, là. On est dans le thème. Ok, attends, on va faire un truc, c'est pas possible, je vais redémarrer le jeu, il y a un truc qui va pas, j'en suis à combien de multis là? Zéro détecteur? Je crois que je suis à 5 multis il me semble. Allez, c'est bon, on a reset, ça c'est la fameuse technique, tu connais, arrête d'essayer de me vendre tes merdes, j'ai déjà acheté, ok? Allez, c'est bon, on continue. On a déjà fait 20 tickets, hein. J'ai pété un plomb. Il va me faire péter un plomb. Donne-moi un Piccolo! On va se calmer. Tu y vas pas, je comprends pas ce qui se passe. Quatre tailles. C'est le moment. Putain, maintenant quand je vois Trunks, j'ai envie de croire que c'est le nouveau Whis, tu vois. Attends. Sur 50 tickets, tu vas me donner 0 détecteur? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il peut pas me donner. Non, c'est une blague. Sur 50 tickets, tu ne peux pas me donner 0 détecteur, Gattai, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu vois, les millions, c'est comme ça chez moi. Putain, c'est fou! On était en live avec John hier, enfin en vidéo invocation, on parlait de nouvelles dimensions, tu nous as donné tout ce qu'il faut! Maintenant, fais que ça marche! C'est pas parce que j'ai craché à la gueule de Kale que tu... C'est bon, frérot, j'ai... Mais pourquoi j'ai parlé de John? 4 multis. 0 détecteur en 50 tickets pour le... Ok. Ok, Zeno et on s'en va, d'accord? Zeno et on s'en va. Non. Whis. Non, pas trop SSR. Putain, c'est pas possible. Whis. Imagine, c'est le premier de Ganfest que je drop. Oh putain. Putain, c'est trop SSR, les gars. Puis, officiellement, en train de me faire laver par Dokkan. Bah, il me fait prendre ma douche, là, Bandai. Non, c'est quoi? C'est parce que j'ai pas fait de nuit blanche? C'est ça ton problème? Parce que j'ai pas fait de nuit blanche?
Je ne ferai jamais nuit blanche, mec. Jamais je ferai nuit blanche. C'est une dinguerie quand même. Ce qui se passe là en termes de taux. Je suis sur le bon portail? Est-ce que je suis pas sur un autre portail? Je sais pas en fait. Attends. Je sais pas, mais je vais faire ça là. On va faire ça, c'est pas grave. 5 deaths. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, on a redémarré le jeu, d'accord? On a redémarré le jeu. Allez. Deux multi pour entrer dans la légende. Vegeta fusion, s'il te plaît. Vegeta, s'il te plaît. S'il te plaît, Vegeta. Hey! Vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu? Il y a fusion. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est juste une fusion normale. Dokkan Fest de garantie. Je sais pas si c'est LR de garantie, mais c'est Dokkan Fest de garantie. Allez. Oh putain, c'est la dernière carte. Le CSR garantie. C'est un Dokkan Fest. Mais c'était ça la technique. C'est bon, on a trouvé la clé pour activer les drops. On continue. 50 balles. Mais putain. Ce portail est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il va me faire claquer mes DS, ce con, en fait. Hein. Il va me faire claquer mes DS. Il m'a donné une des unités que j'ai à 100% sur le portail, alors que... Il y en a au moins 4 que j'ai pas de doublon. Au moins 4, pas de doublon. Pas de doublon, je l'ai pas. Putain. Eh ben, on va passer au DS, les gars. On va passer au DS. Alors, il s'est passé la même chose à l'anniversaire. Il s'est passé strictement la même chose à la NIF, les gars. Il s'est passé la même chose. J'ai rien drop sur les tickets, il est tombé sur les multi-ADS. Premier cycle. Si c'est ce que tu veux, Bandai. Ok. Allez. Elles sont où les nouvelles animations, là? Sérieux? Putain, mais c'est le portail le plus intéressant, en plus, des deux pour moi, parce que au-delà du fait que j'ai Piccolo Tech à 100%, enfin, le Piccolo Int, pardon, TB à 100%, il y a plein d'unités que j'ai pas doublonné, putain, même le duo SCJ, je les ai pas doublonné. C'est pas possible. Oh là là. Deuxième multi. J'ai même pas vu c'était quoi l'animation. Putain. Cette célébration en termes de drop s'annonce être démoniaque, diabolique. Oh là là, mais au secours! Non. Deux Dokkan Fest. Pour le moment. Ok, Krillin, s'il te plaît. S'il te plaît, mon pote. S'il
te plaît. Walida. Au moins Piccolo Tech, s'il te plaît. Au moins Piccolo Tech. Après, tu mets tout dans la même multi. Je prends aussi, hein. Mais qu'est-ce que... Il est où, mon Walida? Putain, c'est la prochaine carte. Les gars, c'est la prochaine carte. Les gars, c'est la prochaine carte. Allez. Piccolo, Tech ou Gatai? Gatai ou Piccolo Tech? Ok. J'ai pas de doublon. C'est nul, je suis d'accord. C'est pas utile, mais je prends quand même. Ça m'emmerde. Mais je prends quand même, j'ai pas doublonné. Multi gratuite. Putain, qu'est-ce que c'est que ces animations? Qu'est-ce que c'est que ces animations? Il veut pas me donner tout le détecteur quand même. Non, il veut pas me donner tout le détecteur. Sauf les nouveaux. Il va pas me faire ça. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Non mais que... Restez calme. Restez calme. Les gars... Je vais refaire un cycle. Je peux pas m'arrêter sur ça, c'est pas possible. On a rien drop. On a rien drop. Dernier cycle. Dernier cycle de la chance, sinon Gatai il va aller se faire foutre. Il y a Vegeta et Beerus. Il y a Vegeta et Beerus. Il y a Vegeta et Beerus. Trop SSR. Attends. Non. Attends, c'est trop SSR ou c'est pas trop SSR? Non, je crois que c'est Dokkan Fest. Putain, je sais plus, c'est quoi cette animation? C'est quoi ces animations, les gars? Aidez-moi, c'est quoi ces animations? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Dokkan Fest? Deux Dokkan Fest de garantie? Quatre tailles. Oh, ok. Piccolo. Piccolo. Ok, c'est bon, premier doublon. Ok, donc c'est LR ou 3SSR ou Dokkan Fest. Pour l'instant, je ne sais pas. Plus que 2 multi pour entrer dans les jambes, les gars. Plus que 2 multi pour entrer dans les jambes. Mais c'est quoi ces animations? Attends, Trunks. Trunks. Tu veux pas prendre ton vaisseau? Tu veux pas repartir dans le passé vite fait? Non, je voulais pas. YouTube, j'ai besoin de toi. Putain, on est 1000 en live, là. Et vous allez voir que ça va drop. Mais laisse-moi tranquille avec tes filles pleines de vie. C'est la bonne, les gars. Je crois que c'est la bonne. Oui, c'est la bonne. Regarde, là. Il y a Zeno, là, juste au-dessus, là. Regarde. Là. Bandai. J'ai eu les doublons sur les unités que je n'avais pas de doublons. Ok. Pas trop SSR. Mais ça sera forcément trop SSR. Sauf si c'est la 10ème carte. Ah, c'est peut-être la 10ème carte. Plus de sa gueule à lui.
Je n'en peux plus de sa gueule et c'est la 10ème carte. Dernière multi pour Gatai. Dernière multi pour Gatai les gars, et on va basculer de portail. Je pense que ce portail ne veut pas et je vais pas forcer plus que ça, d'accord? Bandai, s'il te plaît, dernière multi. Dernière multi, le chat, des good luck. Mettez des good luck dans le chat, les gars. Dernière multi. Mais... Je vais passer sur la jab, je crois. C'est le désespoir qui est l'espoir. Mais c'est même pas... Je suis même pas désespéré, là. C'est de la panique. Mais qu'est-ce que je m'en fous de cette unité. Mais je l'ai 2 milliards pour cent, en fait. Oh. Les gars, j'ai perdu. Je vais pas forcer sur ce portail, là. Parce qu'il veut pas tomber. De toute façon, tu sais c'est quoi le sujet là. Le sujet, c'est Végéto. Pour le moment, on va faire un stand-by. Parce que les tickets, il n'y a rien qui veut tomber. On n'a pas de tickets gratuits en plus. Là, pour l'instant, il ne veut pas. Et j'ai pas forcé plus que ça aujourd'hui. Parce que Gatai, pour le moment, il fait le difficile. Donc, on va se retrouver juste après. Pour le portail de Végéto. Et là, maintenant, Dokkan. Ici, maintenant, j'ai eu les doublons que je voulais. Ok. J'ai pas eu Gatai, mais j'ai eu les doublons que je voulais. Maintenant, on va les filer sur Végéto. Donc voilà. En tout cas, j'espère que t'as eu plus de chance que moi hein, sur ce portail. On se retrouve tout de suite pour le portail de Végéto. Good luck à toi si t'as pas encore invoqué. Vidéo suivante. Ciao, ciao.